Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du malinois. Si vous souhaitez adopter un malinois, il y a quelques petites choses à savoir avant de faire votre choix. Et je vous invite, si vous aimez le malinois, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car vous pourrez retrouver un petit quiz pour tester vos connaissances sur cette race. Alors, la première chose à savoir sur le malinois, c'est que c'est un chien de berger. C'est un chien que l'on caricature très souvent comme étant un chien très obéissant. Et c'est vrai que le malinois peut avoir des compétences éducatives assez remarquables. Par contre, il faut bien comprendre que pour avoir un malinois qui vous écoute, entre guillemets, au doigt et à l'œil, comme on peut le voir sur certaines vidéos, sur les réseaux sociaux, etc., cela demande beaucoup de temps, d'investissement et surtout de connaissances. Attention également, le malinois est un chien qui a un comportement de garde assez fort et assez prononcé. Donc c'est un chien qui, s'il manque de dépenses ou de socialisation, peut vite devenir un peu trop protecteur et cela peut créer même des problèmes dans certains cas de réactivité, donc d'agressivité. Ce qu'il faut comprendre quand vous adoptez un malinois, c'est que c'est clairement un chien adopté avec des connaissances au préalable à avoir. Ce n'est pas un chien à mettre entre les mains de tout le monde, dans le sens où c'est un chien qui demande beaucoup d'exigences, beaucoup de temps et une dépense quotidienne assez forte. Pour le malinois, on est quand même sur du chien de berger. Donc attention là aussi, vous aurez des comportements en adoptant un malinois qui sont ceux des bergers, qui peuvent être des comportements un peu toqués, comme on peut le voir aussi sur des border collies, notamment des chiens qui vont vite être accros au jeu, accros à la balle, qui peuvent avoir des comportements en balade, à vouloir courir après ce qui bouge, les joggers, les vélos, etc. Ces comportements ne sont absolument pas des comportements obligatoires, mais si vous ne faites pas attention, ça peut apparaître. Alors comment éviter que ces comportements n'apparaissent ? Il faut tout d'abord dépenser son chien suffisamment, sans miser sur de la dépense physique exclusivement, mais en misant aussi sur de la dépense mentale, olfactive, etc. Et surtout le socialiser dès tout petit, donc banaliser ce genre d'environnement. Pour tout ce qui est jeu, qui va être une activité très intéressante à faire avec un malinois, il faudra vous former, car jouer avec son chien, ça s'apprend. Et pour éviter les erreurs basiques qui entraîneront des comportements gênants, il faut suivre des formations ou être suivi par un éducateur canin, bien évidemment. Le malinois, c'est donc un chien qui peut faire rêver de par toutes les vidéos qu'on peut voir un petit peu partout sur internet, et c'est un chien formidable mais qui demande un investissement et des connaissances quand même assez profondes pour le propriétaire du malinois. Et pour conclure, on voit souvent comme cliché autour du malinois que ce serait un chien un peu dangereux voire agressif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chien qui, s'il n'est pas canalisé, peut se montrer entre guillemets réactif, même si ce n'est vraiment pas une fatalité. Et c'est un chien qui est avant tout un chien de travail, donc il faut prendre comme tel. Alors si vous comptez adopter un malinois mais que vous ne comptez pas pratiquer d'activité physique, sportive ou éducative avec ce chien, clairement je ne vous recommande pas cette race. Et si vous avez peu de temps à consacrer à son éducation quotidiennement, là aussi le malinois n'est peut-être pas la race adaptée pour vous, notamment du fait qu'il ait des exigences assez élevées et qui demande un investissement temps et en connaissances un peu plus fort que pour d'autres races qui vous correspondraient sûrement mieux si c'est notamment votre premier chien. Maintenant, passons au quiz de cette vidéo sur le malinois. Donc, il va y avoir 5 questions. Je vous invite à noter la réponse qui, selon vous, est la bonne. Vous aurez la correction juste après et vous pourrez, en fin de vidéo, en commentaire, nous dire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. C'est parti pour la première question. Le malinois est un chien avec un fort instinct de prédation. Vrai ou faux ? Vrai, le malinois est un chien avec quand même des instincts assez marqués. Sur le comportement de prédation, on est rarement sur des chiens qui vont vraiment aller jusqu'à mettre à mort l'animal, comme on peut le voir notamment sur des chiens de chasse qui sont vraiment sélectionnés pour ça. Néanmoins, un comportement de prédation, ce n'est pas que mettre à mort l'animal, c'est aussi toute la séquence avant. Et le malinois, qui est un chien de travail, est quand même particulièrement sélectionné pour avoir des comportements instinctifs assez forts. Donc attention à ça, si vous adoptez un malinois, il faut vraiment avoir conscience de ce point-là. Deuxième question, le malinois est un chien qui peut vivre en appartement. Vrai ou faux ? C'est vrai, le malinois peut tout à fait vivre en appartement. Maintenant, attention, comme on l'a dit dans cette vidéo, c'est un chien qui a beaucoup de besoins. Donc, l'appartement, ok, mais il faut répondre à ses besoins de façon très forte, tous les jours, quotidiennement. Sinon, ça va vraiment être compliqué pour lui et pour vous, pour le quotidien. Troisième question, le malinois est un chien qui peut être adopté par un maître débutant. Vrai ou faux ? C'est plutôt faux. Comme je vous l'ai dit, le malinois est un chien qui a beaucoup d'exigences. Donc quelqu'un de débutant qui n'aurait jamais eu de chien, je ne lui recommande pas de partir sur un malinois pour une première adoption.
Le Malinois est un chien qui peut vivre avec les enfants. Vrai ou faux? C'est vrai, le Malinois peut tout à fait vivre avec des enfants. Là encore, il faudra bien sûr le socialiser et surtout apprendre aux enfants à respecter les règles de sécurité, chiens et enfants. N'hésitez pas d'ailleurs sur ce sujet à regarder notre vidéo qui est spécialement dédiée à la cohabitation entre les chiens et les enfants. Et bien sûr, je ne rappellerai jamais assez la règle fondamentale qui est de ne jamais laisser chiens et enfants sans surveillance, peu importe la race de votre chien d'ailleurs. Dernière question, le Malinois est un chien à tendance dominante, vrai ou faux? C'est faux, tout simplement car le concept de dominance est quelque chose que l'on réfute dans le comportement canin. Pour en savoir plus sur ce sujet, là aussi, je vous invite à aller regarder des vidéos qu'on a faites en détaillant largement ce sujet-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le Malinois, je vous invite à cliquer sur le lien et à lire l'article qui est consacré à la race avec de nombreuses infos supplémentaires à cette vidéo. Et pour finir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!